Un jour, il y eut une explosion. Un souffle qui créa le temps et l'espace. Un jour, il y eut une explosion. Un souffle qui propulsa une planète dans cet espace. Un jour, il y eut une explosion. Un souffle qui donna naissance à la vie que l'on connaît. Et puis, arriva une autre explosion. Heavy pulse, dirty hands, sweaty clothes, the routine that I've learned to understand and know, play my tricks. Fragile mind, risk your head on me. Shut my eyes, I'm not here. There must be some mistake. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so Thank you.
Ah.
Je crois qu'ils sont partis. Qu'est-ce qui vous prend? J'ai serré trop fort, désolé. Vos yeux, c'est une allergie chirale? Alors, vous avez le Dooms, comme moi. Vous avez l'air d'être plus atteinte que moi. J'ai le facteur d'extinction. Quel est votre niveau? Vous arrivez à les voir? Non, mais je peux les sentir. Niveau 2, alors. Qu'est-ce que vous faites là? J'essaie de rester au sec. Tout comme vous. Plus de précipitations. Je m'appelle Fragile. Ouais, je sais qui vous êtes. Tiens donc. Sam Porter Bridges, c'est ça? C'est vous, l'homme des livraisons. Vous en voulez? Les cryptobiotes, le meilleur remède aux précipitations. Venez travailler pour moi. Ça doit être un peu compliqué tout seul. Ouais. J'aurais jamais cru que Fragile Express manquait de bras. On a plein de traîtres. Il ne reste plus grand-chose de nous. Tout juste quelques gens honnêtes. Et pour couronner le tout... Il ne reste pas grand-chose de moi non plus. Tout mon corps a été exposé. Là, je peux rien faire pour vous. Je fais que des livraisons. C'est tout. Un message du central de Bridges. Livreur indépendant Sam Porter Bridges, destinataire en attente de colis. Vous vous rendez en ville ? Faites attention. Ils ne disparaissent jamais bien longtemps. Même si les précipitations font vieillir tout ce qu'elles touchent, elles ne peuvent pas tout faire disparaître. Le passé nous rattrape toujours. On se reverra sûrement. Sam Porter Bridges. Shake my head. I'm not.
Lancement du scan. Marchandise confirmée. Merci. C'était plus que limite. Vous a pris si longtemps. La légende n'est jamais en retard d'habitude. Foutue tempête, j'ai perdu ma bécane. On dirait que vous avez vu l'enfer. Heureusement, la marchandise est en parfait état. Bon, vous nous avez fait attendre, mais tout le reste a l'air parfaitement en ordre. Alors, excellent. On attend votre prochaine livraison. Pour Sam Porter Bridges, priorité 1. Igor, incinérateur mortuaire de Bridges. Sam Porter, je présume ? C'est vrai. Vous n'êtes pas vraiment du genre tactile, il paraît. Les documents disaient que vous aviez une sorte de phobie. Incinérateur mortuaire de Bridges ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, j'ai pas de temps à perdre, je vous explique en chemin. Allez, venez. Jeter un œil.
Le gars a rendez-vous avec l'incinérateur. À quand remonte la mort? On connaît pas l'heure exacte du décès, mais à vue de nez, je dirais que ça fait plus de 40 heures. Et on l'a pas mis en quarantaine? Il était pas malade, le gars s'est suicidé. C'est pas vrai. On a de la chance, on aurait pu jamais le trouver. On l'a tout de suite mis sur la glace, mais qui sait quand il va se nécroser? Où est-ce que vous l'emmenez? L'incinérateur le plus proche est au nord. Il grouille d'échouer votre itinéraire. Vous pouvez pas en prendre un autre? Ça m'arrangerait, mais je vais pas avoir le temps, moi. Dans ce cas, je crois que vous feriez mieux de brûler ce pauvre gars ici. Pour balancer le kyralium dans l'air juste à côté de la ville, ça va pas à la tête. Ça vaut mieux que d'essayer d'atteindre l'incinérateur, en tout cas. Vous savez, je crois qu'on peut y arriver. On a juste besoin de quelqu'un comme vous qui a le Dooms. Ça y est, il est déjà dans les premières phases de la nécrose. Il va falloir faire vite avant qu'il soit trop tard. Alors, vous êtes partant? On peut compter sur vous? Vous êtes officiellement lié par contrat à Bridges, Sam Porter. C'est Sam. Appelez-moi Sam. Et je peux pas repérer les échoués. Juste les sentir. C'est pour ça que je suis venu avec ça. Un brise-broyeur. Avec son aide et la vôtre, on devrait pouvoir garder une longueur d'avance sur eux. Faut toujours que ça me mette dans un état pas possible. Ouais, mais vous vous connectez bien à l'autre côté, vous. Ça aussi, c'est flippant. Allez, on y va! C'était tellement différent quand j'étais gamin. L'Amérique, c'était un pays. On pouvait tous aller où ça nous chantait, sans se poser de questions. On n'avait pas de messagers, pas besoin. Il y avait des autoroutes, des avions aussi. Putain, c'était même possible d'aller dans d'autres pays. C'est difficile à croire maintenant. Mais bon, ça se voit bien que le Death Stranding a absolument tout dévasté. Presque toute notre civilisation a disparu. Quant à ceux qui ont eu l'immense chance de survivre, ils se sont fait avoir par les précipitations. Et puis ces horreurs de la grève sont apparues. C'est alors que le monde des vivants s'est intimement mêlé à celui des morts. À partir de ce moment, les gens ont commencé à se planquer dans les villes, où les messagers comme Poussard ont raflé tous les honneurs. Un arc-en-ciel! Hey, il est encore loin l'incinérateur! Il est prêt à se transformer! Fais chier! Va falloir qu'on passe entre les échoués! Nous de là. Ça, vous voyez quelque chose? Non. Que dalle. Ouais. Il
C'est pas possible autrement.
Thank you.
Un jour, il y eut une explosion. Un souffle qui donna naissance à la vie que l'on connaît. Et puis, arriva une autre explosion. Et celle-ci sera la dernière. Ça fait d'être de retour dans le monde des vivants. Ne vous en faites pas. Je suis médecin. Enfin, médecin légiste. À l'origine. Vous pouvez m'appeler Deadman. On va dire que je connais bien les morts. Enfin, pas autant que vous. Malgré le nom que je porte, je n'ai jamais vraiment été mort. Ce ne serait pas une bonne idée de faire ça. C'est pas vraiment mon domaine, mais je peux vous dire qu'elles sont là pour votre protection. Regardez. Est-ce que je suis prisonnier ? Ce ne sont pas de vrais monotes. Ce sont des appareils high-tech qui nous relient tous les uns aux autres. Qui nous ? Ah, je vois. Eh oui, Bridges. La plus grande chance qu'il reste à l'humanité d'avoir un avenir. Ou d'éviter l'extinction, si vous préférez. Super. Où est-ce qu'on est ? Quelle heure il est ? Regardez bien. Essayez de l'appuyer contre votre peau. Comme ça. Détendez-vous. Ça veut seulement dire que votre corps s'est bien connecté aux monotes. Tenez, vous voyez ? Ces monotes, elles veilleront sur vous 24 heures sur 24. On sera joignable tout le temps pour vous aider, Sam. C'est pas possible. Ça fait deux jours. Puisqu'on vous avait sous la main, on s'est octroyé la liberté de prélever des échantillons de fluide sur vous. Vous êtes un rapatrié, ce qui vous rend vraiment particulier. Qu'est-ce qui est arrivé au gars de l'IM ? Il ne reste rien de la ville relais centrale. Elle a été annihilée. Game over, tout le monde. Ce n'est plus qu'un énorme cratère. Les deux seuls qui ont le droit de rejouer, c'est vous savez bien pourquoi,
et votre bébé hors service. Est-ce qu'il va bien? Il a été envoyé pour destruction. Il ne fonctionnait plus. Pourquoi le garder? On a perdu tellement de monde. Pas uniquement l'incinérateur mortuaire, mais mon équipe. Le siège aussi. Vredefort tout entière. Tous ceux qui se trouvaient à la ville relais centrale. Actuellement, on est dans la base de la capitale relais. Mais je devrais dire, dans notre nouveau siège. Sudbury s'est imposé comme le meilleur des choix. Mais l'équipe d'implémentation s'est fait entièrement décimer. Et de toute façon, en 2 jours, on n'a pas vraiment le temps de faire grand-chose. La situation est très confuse. Enfin, heureusement, le directeur ainsi que son équipe étaient en déplacement à ce moment-là, donc la chaîne de commandement n'en a pas été affectée. Ça m'ennuie de vous demander ça si tôt, mais j'ai une mission pour vous. Oh. Cette main négative, vous l'avez depuis votre rapatriement? Et cette autre marque, elle vient d'où? D'une femme tactile, dans une grotte. Je vois. Afin une phosmophobie, hein. Pas étonnant que vous alliez tout seul dehors. Personne ne peut vous toucher. Je tâcherai de faire plus attention, Sam. Et donc, la mission est une livraison urgente. Il va falloir que vous apportiez de la morphine à la présidente. Quelle présidente? Il n'y a plus d'Amérique. Vous voulez parler de la mer de Centrale? Non, pas la mer, Sam. L'Amérique est bel et bien vivante. Notre présidente est atteinte d'un cancer en phase terminale. Son état est critique, mais il nous reste du temps. Pourquoi à moi? Écoutez, Sam, faites donc ce que je vous demande et vous verrez que tout s'expliquera. Vous avez qu'à le faire. En fait, je ne suis pas vraiment là. Toutes mes excuses. Ce que vous voyez n'est qu'un chiralgramme. Ah, c'est pas vrai. J'ai les yeux qui pleurent. C'est une réaction allergique à la transmission chirale. En fait, je me trouve actuellement dans le grand bâtiment triangulaire dans le service d'isolement. Ah, la morphine que vous devez livrer. Vous êtes officiellement lié par contrat à Bridges, Sam Porter. Non, arrêtez. Il y a de la morphine là-bas. À quoi ça rime? Dites-moi la vérité. Et pour tout vous dire, Sam, la dernière présidente des États-Unis demande à vous voir en personne. Est-ce que vous comptez vraiment lui refuser ça? Bonne décision. J'attends donc votre arrivée au service d'isolement. Demande de livraison pour Sam Porter Bridges. Transport de morphine jusqu'au service d'isolement pour administration immédiate à la présidente. Lancement du scan. Faites bon voyage. Consultez donc la carte sur vos monotes si vous êtes perdu. Le service d'isolement devrait vous sauter aux yeux.
Si ça peut aider, vous pouvez ajouter des repères et définir des itinéraires. Faites un essai, vous verrez ce que je veux dire. Vérifiez que vous allez bien dans la bonne direction. Consultez votre boussole. Ça vous évitera de vous perdre. Enfin, à condition que vous ayez une destination, évidemment. Le relais central n'abritait pas seulement le siège de Bridges. Il abritait également le siège du mouvement reconstructionniste. Si la présidente n'avait pas eu besoin de soins particuliers, elle ne serait jamais partie. Et du coup, nous non plus, on ne serait jamais partis. C'est constant quand je toutes dans le même sens. Aucune chance qu'elle s'en sorte? Malheureusement, non. Aucune. Très bien. Alors, préparons-nous. Sam! C'est moi, Deadman. Pardon, c'est l'habitude. Je crains que l'état de santé de la présidente ne soit encore aggravé. Merci. Ça devrait la soulager un peu. Et vous permettre de vous entretenir avec Bridget avant qu'elle ne s'en aille. Bridget ? Bridget Strand, la première et dernière femme à la tête des États-Unis.
Vous vous en souvenez forcément. Elle vous a élevé. C'est pas une tenue idéale pour des retrouvailles. Vous devriez retirer ça avant d'entrer. L'homme qui est là est le bras droit de la présidente et le directeur de Bridges. C'est Die Hard Man. Oh, vous avez connu Bridges 1. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de faire les présentations. Ça faisait longtemps, Sam. À peu près 10 ans. Regardez-nous, des erreurs de la nature qui se retrouvent comme ça. Enfin, passons. Le plaisir est partagé. Elle vous attend. C'est votre mère, Bridget. Elle n'est plus tout à fait elle-même, mais je suis sûr qu'elle vous reconnaîtra. Nous avons fait venir Sam. On va vous laisser vous retrouver. Sam, je savais que tu reviendrais. Dis-moi comment tu vas. Je sais à quel point tu me détestes. Amélie. Quoi, Amélie? Tu te souviens qu'elle est partie pour l'Ouest? La traversée lui a pris 3 ans. Elle s'efforce de reconstruire le pays. On en est donc toujours au même point. C'est à toi que je voulais confier cette mission. Le temps joue contre nous. Il faut que tu aides Amélie, elle a besoin de toi. Vous devez nous reconnecter les uns aux autres. Vous pouvez rassembler tout le monde. Sam, si nous n'arrivons pas à nous unir, l'humanité ne pourra jamais s'en relever. On n'a pas besoin d'un pays. C'est plus la peine. Bien sûr que si. Tout seul, nous n'avons aucun avenir. Moi, je crois que l'Amérique est foutue. Ouvre un peu les yeux. T'es la présidente d'un souvenir. Je t'en prie, Sam, écoute! Non. Je t'en supplie. Mais alors, tu es prêt à m'aider? C'est pas parce que je...
Sam. Je t'attendrai sur la grève. Madame la Présidente. Oh, non. Je suis là. Allez. Docteur, on a besoin d'aide. Il me faut tout le monde. Elle fibrille. Donnez-moi 150 millilitres. Elle ne réagit pas. Écoutez, personne ne doit savoir que la présidente est morte. Si quelqu'un l'apprend, c'est la fin de Bridges. Alors ce qui s'est passé dans cette pièce ne doit pas en sortir, c'est clair? C'est très clair, monsieur. Mais il reste le problème du cadavre. Sans incinérateur mortuaire, on a une autre solution. Sam, la présidente a conclu un contrat avec vous avant de mourir. Qu'est-ce que vous racontez, là? Vous êtes membre de Bridges. Vous allez participer à la reconstruction de l'Amérique. Vous croyez pouvoir me recruter, comme elle a essayé de le faire? Elle y est parvenue. Votre poignet. Si ça, ce n'est pas symbolique, alors qu'est-ce qu'il l'est? Pardon, monsieur. Je vous rappelle que le cancer s'était répandu dans tout son corps. Le don d'organes est parfaitement inenvisageable. Quant à l'autopsie, elle serait inutile. Il va falloir incinérer sa dépouille avant qu'elle ne se nécrose. Autrement, cet endroit laissera place à un nouveau cratère. Qu'est-ce que vous attendez de moi? On n'a malheureusement aucun porteur sous la main. Quant aux IEM de la dernière fois, vous ne l'avez pas oublié. Ils sont morts. Mais le corps de la présidente doit être incinéré. La route entre la capitale relais et l'incinérateur a été engloutie dans l'anéantisation. La seule façon d'y aller, c'est à pied, par la montagne. Mais la densité chirale est hors norme dans la région. Donc il y aura des échoués. Cette mission peut seulement être confiée à un rapatrié, porteur du Dooms. Ouais, moi quoi? Mais pourquoi? Sam, vous êtes déjà en mission. Cette mission est pour vous. Samuel Porter Bridges. J'aimerais dire quelques mots. La présidente Strand avait foi en la reconstruction de l'Amérique. Elle a travaillé d'arrache-pied pour réunifier cette nation. Et sans elle, Bridges n'existerait pas. Pour ses obsèques, elle mérite qu'on lui rende honneur. Mais on ne peut pas se le permettre. Si elle meurt, l'Amérique meurt avec elle. Si elle disparaît, alors Bridges ne s'en relèvera pas. Écoutez.
Nous devons impérativement faire en sorte que sa crémation ait lieu dans le plus grand secret. Et si on y arrive, qu'est-ce qui se passe après? Qui va la remplacer? C'est foutu. L'Amérique est foutue. Non, Sam. L'Amérique n'a pas encore disparu. Il vient juste de dire le contraire, faudrait savoir. C'est un fait, elle nous a quittés. Mais il nous reste quand même encore une Amérique digne d'être présidée. Vous êtes sérieux? Vous reparlerez de ça plus tard. Ce qui importe, c'est de terminer le travail que votre mère a commencé et de tout faire pour reconstruire l'Amérique comme elle le voulait. C'est pour cette raison que Bridges a vu le jour. Alors je vous demande de faire le premier pas, Sam, et d'aller déposer le corps de la présidente à l'incinérateur. Si nous n'arrivons pas à nous unir, l'humanité ne survivra pas. C'est à toi que je voulais confier cette mission. Le temps joue contre nous. Je t'aime, Sam. Je t'attendrai sur la grève. L'incinérateur se trouve au sud-ouest. Surtout, n'oubliez pas que vous devrez traverser le territoire échoué. Le bâtiment a été construit le plus loin possible dans les montagnes pour pas que la matière chirale contenue dans la fumée n'atteigne la ville. Ce sera pas du gâteau de transporter un corps jusque-là. Nous garderons un œil sur vous en permanence. S'il vous arrive quoi que ce soit, nous vous aiderons par l'intermédiaire des menottes. Sam, ici Deadman. Deadman vous a bien dit comment fonctionnent les menottes. Alors servez-vous-en pour voir où se trouve l'incinérateur. Ça ne va pas être facile d'arriver jusqu'à l'incinérateur. Déplacez-vous et tournez votre carte pour mieux appréhender le terrain qui vous entoure. Regardez par où vous pourriez passer pour y arriver. Pour cette commande, nous vous fournissons également quelques suggestions d'itinéraire. Mais en fin de compte, c'est vous qui devrez décider comment procéder.
Sam, je ne pense pas qu'il soit vraiment nécessaire de vous le rappeler, mais vous savez, chaque minute compte quand vous transportez des cadavres à détruire. Il ne leur faut pas plus de 48 heures après l'arrêt du cœur pour se nécroser et devenir des échoués voués à nous gâcher la vie. Symbole du reconstructionnisme américain. Le pays avait beau avoir volé en éclats et ses habitants avoir été dispersés aux quatre vents, elle n'a jamais cessé de croire qu'il pouvait être réuni. Le peuple s'est accroché à l'espoir que l'Amérique renaîtrait de ses cendres, car il croyait en Bridget Strand. Nous croyons fermement que ce pays peut être reconstruit. L'Amérique est toujours en vie, et l'esprit de Bridget restera parmi nous. Thank you.
Alors c'est là. Qu'est-ce que c'est ? BB-28. C'était l'unité attribuée à Igor. Il était relié à vous quand on vous a trouvé dans le cratère. Mais pourquoi il est là ? Parce qu'il doit être incinéré. La ville relais centrale a disparu et notre siège avec elle. Tout ça parce que ce truc n'a pas fait son boulot. Tout est consigné dans les rapports d'Igor. Je vous signale qu'il est encore en vie. On ne peut pas le réparer. Et il ne survivra pas en dehors de la capsule. Inutile de s'apitoyer sur son sort. La décision a été prise. Il doit disparaître. Le directeur a approuvé l'ordre. Oh.
suis dans la merde, voilà où j'en suis. Il y en a partout. Ça vient sur mon écran qu'on n'a pas pu conduire à l'incinérateur à temps. J'ai peur qu'il n'y ait pas grand-chose à faire pour empêcher ça à cet endroit. Vous pouvez attendre la fin de la pluie? Non, je crois pas. Ils approchent de ma position. Faut que je parte avant qu'ils détectent ma présence. Sam, si une de ces choses vous dévore, ça provoquera une néantisation. Vous en échapperez, c'est sûr. Mais de toute cette zone, il ne restera plus qu'un énorme cratère. Je crois que j'ai une idée. Marcher en fait. Voilà. Qu'est-ce que t'as à faire?
Scan de l'identifiant Bridges. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Accès autorisé. Bienvenue. Sam Porter, bienvenue dans la capitale relève. Continuez jusqu'au centre de distribution. Sam, revenez au centre de distribution. Vous le trouverez grâce à votre boussole. Survécu tous les deux. Quand une personne atteinte du Doom se branche à un bébé, ses émotions et ses souvenirs créent un retour, comme une enceinte en fait. Il amplifie vos peurs et vos angoisses, et risque de vous plonger dans un état dont vous ne pourrez jamais vous sortir. Je suis désolé, Sam, mais ce bébé a atteint ses limites. Il n'y a plus qu'une seule option pour lui, l'incinération. Sam, allez faire un brin de toilette, et rejoignez-moi dans le bureau de la présidente. Il faut qu'on parle.
Sam, je croyais pourtant vous avoir dit qu'associer le Dooms et les bébés était dangereux. Une douche vous ferait sûrement du bien. Vous êtes encore couvert de kéralium. Il faut pas que la présidente vous voie comme ça. Mais de quoi est-ce que vous parlez, là? Elle est morte. Vous êtes contrarié. C'est à propos du bébé 28. Trouvez-vous un autre larbin, parce que moi, je vous emmerde. En tout cas, quoi que vous décidiez, sachez que vous lui avez sauvé la vie. N'importe quoi. C'est lui qui nous a sauvés, y compris vous. Restons-en là. Je vais m'occuper de lui, maintenant. Vous saluerez la présidente pour moi. Il va bientôt être l'heure d'y aller, Sam. Tiens. C'est un attrape-rêve. Porte-le quand tu iras au lit et j'empêcherai les cauchemars de t'approcher. Je resterai toujours avec toi. Là, c'est exagéré. Faut croire que j'ai plus droit à mon intimité. Non. Sauf quand vous prenez une douche ou que vous allez aux toilettes. J'en déduis donc que vous étiez sous la douche. Bien. Venez dans le bureau de la présidente dès que vous aurez fini. Elle vous y attend. Vous avez assuré, Sam. Merci. Bridget n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais son héritage a une chance de lui survivre.
Écoutez-moi, Sam. L'Amérique, la reconstruction, son rêve n'est pas mort. J'en ai rien à battre. Voici l'incarnation de notre espoir, de notre nouvelle Amérique. Amélie ? Ma mère n'est peut-être plus là, mais je la représente. Quant à toi, Sam, tu es venu jusqu'à nous. Vous ne vous étiez pas revus depuis 10 ans, c'est ça ? Et malgré le temps qui a passé, elle n'a pas pris une ride. Il sait pourquoi. Mon corps est toujours sur la grève. Voilà pourquoi je ne vieillis pas. Toi aussi, en revanche, Sam. Tu as belle allure. Alors comme ça, c'est du sérieux. Tu veux vraiment reconnecter tout et tout le monde. Il faut bien que quelqu'un succède à Bridget, Sam. Et plus important, il faut que quelqu'un perpétue l'héritage qu'elle nous a laissé et rebâtisse notre pays. Samantha America Strand, la nouvelle présidente. Un tout nouveau départ pour notre peuple, pour notre nation. Grâce à l'impulsion d'Amélie, nous allons donner naissance aux UCA, c'est-à-dire aux villes unies d'Amérique. Voilà comment nous ferons pour rebâtir notre pays. Mais nous ne pourrons pas y arriver sans votre aide, Sam. C'est non, ça m'intéresse pas. Je vous ai fait mes adieux à tous quand je les ai faits à Bridget. Tu sais bien qu'on ne t'a jamais oublié, Sam. C'est toi qui as fui et qui nous a laissés sans nouvelles. Amélie a mis sur pied une expédition, l'élite de Bridges 1, pour partir vers l'ouest. Je leur ai fait éviter les cratères et le territoire des échoués. J'ai protégé leurs arrières pendant qu'ils cherchaient des survivants. Pas un seul échoué ne lui a échappé. Elle les voyait venir à des kilomètres. On a persuadé les gens de rejoindre les UCA les uns après les autres. Et certains d'entre nous sont restés sur place pour les aider. Ça nous a pris 3 longues années. Mais on a finalement réussi à atteindre la ville relais frontière. Vous êtes arrivé au Pacifique. Incroyable. Oui. Mais là-bas, tout a dégénéré. L'équipe a été décimée. Et Amélie, capturée. Capturée. Je ne suis pas retenue dans une cellule ni ligotée, rien de ce genre. Je peux utiliser leurs installations et communiquer avec vous autant que je le souhaite. Mais je ne peux pas quitter la ville. Tout ça parce que ces types veulent que la ville relais frontières reste indépendante. C'est ce que disent ces ravisseurs, en tout cas. Ils exigent que les UCA les laissent tranquilles. Amélie est leur filet de sécurité au cas où on ne serait pas d'accord. C'est qui déjà, ces connards ? Homo Demens. Des militants séparatistes. À la tête du relais frontières. Je vois bien qui c'est. Une bande de terroristes qui tuent des gens dans les villes pour créer des cratères. C'est ça. Ces types bravent tous les interdits, et les néantisations, ça les amuse. Vous croyez que c'était eux derrière l'attentat suicide de la ville relais centrale ? Ça se pourrait. On trouve des extrémistes de ce style un peu partout, en train de comploter dans l'ombre. Ils ne peuvent pas être centralisés. Il n'y a pas une organisation qui les dirige tous. Seulement une idéologie commune. Je sais que tout le monde ne partage pas la vision que nous avons de l'avenir. Si nous, les Américains, n'arrivons pas à tous nous unir, l'humanité ne survivra pas. J'ai véhiculé le message de ma mère auprès des habitants du pays tout entier. Tout le monde n'était malheureusement pas prêt à l'accepter. Ils ont été nombreux à choisir de rester déconnectés, isolés du monde, indépendants. Comme vous,
Sam. Ils sont convaincus que l'Amérique ne peut être rebâtie que par la force, par des hommes qui leur diront quoi faire, qui les priveront de leur liberté et qui leur mettront des chaînes. Et vous m'avez mis quoi, là, hein? Vous valez pas mieux que les démons, une secte parmi tant d'autres. Sauf que ce ne sont pas des chaînes, Sam. C'est un symbole de nos liens. C'est ce qu'il nous faut dans l'immédiat, non pas rester isolés, mais tous nous rassembler, former des réseaux Kiro et nous reconnecter. Nous voudrions que vous partiez pour l'Ouest, pour terminer ce qu'Amélie a commencé. Les personnes qu'elle a laissées en cours de route font tout ce qu'elles peuvent pour mettre en place des terminaux pour le réseau. Pour le moment, ces terminaux sont totalement isolés. Votre mission sera donc de les activer. Pour y arriver, vous aurez un Cupidon. Cet objet contient tous les protocoles de sécurité et de fonctionnement nécessaires pour intégrer un terminal au réseau Kiral. Emportez-le vers l'Ouest, Sam, et reconnectez les habitants de notre nation. Et quand vous atteindrez le relais frontière, trouvez Amélie et ramenez-la chez nous. Quand je reviendrai, j'assurerai la présidence et je poursuivrai le travail de ma mère pour réhabiliter le pays. C'était la dernière volonté de Bridget. C'est comme ça que nous pourrons aller de l'avant. Je t'en prie, Sam. On a besoin de toi. Je m'appelle Sam Porter Bridges. Je suis pas un Strand. Je fais même pas partie de cette équipe. Vous en êtes assuré. Je m'engagerai pas envers vous, ni personne d'autre. Ça n'arrivera plus. Non, attends. Tu vois, c'est comme si j'étais pas là. Ça a toujours été comme ça. Sam! Sam! Ne partez pas! Attendez! Écoutez-moi, l'Amérique dépend de vous deux. C'est pas en recouvrant le monde de câbles qu'on met fin à la guerre ou à la souffrance. Soyez pas trop surpris quand ça va foirer, ce sera pas la première fois. Non, franchement, vous tournez en boucle, hein. Connectez, reconnectez, c'est pas aussi simple. Ça va, Sam, j'ai compris, calmez-vous un peu, c'est très clair. On ne vous demande pas de vous engager aussi vite. Vous avez besoin de repos. Ça ne fait aucun doute. Le sommeil, c'est vital. Si vous ne vous reposez pas, vous risquez surtout de vous reconnecter à l'autre côté. Tout l'entretien nécessaire a été effectué. Et on a fait quelques ajustements et réglages, rien que pour vous. Le revoilà comme neuf. On peut dire que c'est rare de voir le Dooms et les bébés faire bon ménage comme ça. J'ai comme l'impression qu'il y a une certaine affinité entre vous deux, je me trompe ?